Si la guerre demeure une connerie, face au camp de concentration, elle s'avère une connerie nécessaire. Et là, la morale de la tarte à la crème est insuffisante à le démontrer. Un exemple significatif des limites du burlesque me semble Le Grand Dictateur. Si Chaplin réussit magistralement la parodie de Hitler, il n'a pas trouvé les moyens cinématographiques d'exprimer sa vision d'un monde meilleur, au point qu'il s'est senti obligé de rajouter à la fin du film un discours humaniste.